Donc, je m'en vais vous présenter le module 1, intitulé Rétablir le développement, les principes et l'économie politique de la planification du développement. Le module 1 a principalement deux objectifs. Le premier est de vous familiariser avec la notion de développement économique ainsi que les autres notions qui sont connexes. Le second objectif est de faire la présentation des principes et l'économie politique de la planification. Ce module donc va jeter les bases de l'objectif général du cours qui concerne la politique sociale, en aidant les participants à mieux cerner la notion de développement en tant que processus de transformation structurelle. Il va permettre également aux participants à mieux mesurer l'importance de la planification du développement. Le développement qui est de surcroît un impératif pour les pays africains, surtout dans un contexte de pandémie et de relance économique. Donc, nous allons commencer par la présentation de la notion de progrès, qui est un terme assimilé souvent à la notion de développement économique. Le progrès désigne un mouvement évolutif vers une situation idéale. C'est ainsi qu'il est considéré comme un précurseur du développement. Donc, il a des rapports, cette notion, la notion de progrès, a des rapports avec la notion de développement. Il est fondamental de pouvoir faire la distinction entre ces deux notions. Comment on est arrivé du progrès au développement? Le développement est différent de cette notion de progrès. En effet, le développement fait référence à l'ensemble des mutations positives, notamment les mutations techniques, démographiques, les mutations sociales, sanitaires, que peut connaître une zone géographique. Le développement associe donc la croissance économique et la transformation structurelle. Donc, comme François Pérou nous le rappelle, il dit que le développement est l'ensemble des changements mentaux et sociaux qui permettent à une population de faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Donc, le développement est une notion qui est multidimensionnelle et qui associe à la fois la croissance et les transformations. Contrairement à la notion de progrès, le développement est une notion plus récente. Il apparaît notamment dans le discours du président Truman devant l'Assemblée de l'ONU en 1949 avec le mouvement d'indépendance. La notion de développement peut être remontée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à la notion de progrès, qui est une notion plus ancienne. Donc, que l'on peut remonter à la période de la Renaissance. Donc, la notion de progrès qui décrit véritablement un mouvement, une dynamique positive, une dynamique vers une situation idéale, peut être remontée à la période de la Renaissance. Donc, la période de la Renaissance, en particulier, est marquée par le développement du courant mercantiliste et de la pensée laïque.
Donc, ce développement du courant mercantiliste et le développement de la pensée laïque ont donné lieu à une nouvelle interprétation de la notion de progrès. Le mercantilisme est un courant de pensée économique. Il se place dans l'histoire entre le 16e et le 18e siècle. Influencé par la Réforme et la Renaissance, ce courant est marqué par la séparation progressive du pouvoir politique et l'Église et a donné lieu à une nouvelle façon d'appréhender la richesse et le concept de progrès. C'est pour cela qu'Aristote nous montre comment donc la notion de progrès assimilée à la perfection sociale a changé de contenu avec le développement du mercantilisme et son jumelage avec la laïcité. Donc, selon Aristote, il y a une nouvelle compréhension de la notion de perfection sociale. La perfection sociale est maintenant comprise comme une notion naturelle et non métaphysique. C'est ainsi que donc on peut atteindre, selon Aristote, la perfection sociale comme médiateur divin. Donc la perfection sociale ne dépend plus du plus de produit de l'engagement par rapport au divin, mais c'est une chose qui est naturelle. De la pureté des motivations et à faire le plus grand bien. C'est-à-dire que donc la perfection sociale n'est plus également le produit de la pureté des motivations, mais dépend plutôt de la capacité à faire le plus grand bien. Et par conséquent, les méthodes pour atteindre la perfection sociale, et quand on dit perfection sociale, on fait référence au progrès. Les méthodes donc pour atteindre cette situation idéale sont donc l'éducation et la science. Donc la science qui devient donc la nouvelle religion. De la Renaissance à l'ère post-Renaissance, également la notion de progrès, son contenu a subi quelques changements, donc à une nouvelle compréhension avec l'ère post-Renaissance de la notion de progrès. L'éducation qui était considérée comme le moteur du progrès, maintenant est substituée à l'histoire. Donc c'est l'histoire qui est considérée comme étant le garant du progrès. C'est-à-dire que donc, le progrès devient donc une situation inéluctable. Donc du fait de l'histoire, il y a une dynamique historique qui va amener la société à connaître le progrès, à atteindre cette situation idéale. C'est ainsi que donc la théorie de l'évolution des espèces de Darwin devient la principale théorie qui explique le progrès social. Donc inéluctablement, avec l'évolution des sociétés, on va donc connaître le progrès social. Toutes les sociétés vont atteindre cette situation idéale de perfection sociale. De même que Marx considère aussi que l'histoire est le principal moteur de la perfection sociale. Donc c'est ainsi que donc, avec l'effet historique, il y aura un changement à long terme, sera induit par des changements dans les modes de production et des relations sociales, des relations entre les classes, et ainsi la société va franchir des étapes et va connaître une étape ultime de perfection sociale. Donc, la théorie de Marx, la théorie de Darwin deviennent donc des théories qui sont utilisées pour expliquer l'évolution des sociétés.
la notion de progrès comme donc un processus évolutif d'origine historique. Et appréhendé dans plusieurs disciplines émergentes, notamment en sociologie et en économie. En sociologie, le progrès est compris comme une évolution historique de la société. Il permet aussi d'hiérarchiser les sociétés. Ainsi, le philosophe français Auguste Comte décrit l'évolution de la société et pense que la société évolue en passant par trois étapes. La première étape est la société de conquête. La deuxième étape est la société de défense. Et la dernière étape, c'est la société industrielle. Donc, pour Comte, la société évolue du fait de son histoire, en passant par les trois étapes, à savoir la société de conquête, la société de défense et la société industrielle, qui est l'étape ultime du progrès social. Pour Lewis Morgan, elle évolue de l'état sauvage à l'état caractérisé par la barbarie, puis à la société civilisée. Contrairement à Durkheim, qui pense que la société évolue en quittant sa condition traditionnelle pour en arriver à une condition moderne. C'est-à-dire, il oppose donc la société traditionnelle et la société moderne. Donc, du fait du progrès social, la société donc va quitter, on va passer de la société traditionnelle pour en arriver à une société moderne. Max Weber considère cette même vision, mais à la place de la société moderne, il considère la société rationnelle. En d'autres termes, la société rationnelle où les règles sociales seront rationnelles, basées sur la rationalité. Enfin, pour faire une antonyse avec le progrès, on passe d'une société Germanschaft à une société Gesellschaft, une société où les relations sociales seront basées sur des liens étroits, entre des liens entre familles, à une société qui sera régie par des institutions invisibles. En économie, l'idée de progrès peut être remontée aux travaux de Smith. Ce dernier considère le progrès comme une situation découlant de l'accumulation du capital tel que théorisé par les mercantilistes. Je rappelle que le mercantilisme est un courant de pensée économique qui prônait l'accumulation de métaux précieux, d'or, d'argent, pour impulser le développement. Donc, il prônait d'encourager les exportations et de limiter les importations pour éviter la sortie massive des métaux précieux et de faire également des conquêtes, d'explorer des mines d'or pour pouvoir accumuler le plus possible d'or et d'argent parce que la richesse dépend de l'accumulation des mines. Donc pour Adam Smith, le progrès découle de cela, découle de l'accumulation des métaux précieux, donc de l'accumulation du capital. Contrairement à François Perrou, qui pense que donc, le progrès économique est une situation de croissance économique accompagnée par une meilleure répartition de ses fruits. Donc la répartition des fruits de la croissance permet de couverture des coûts de l'homme. Donc c'est ça le progrès économique. Donc quand un pays connaît le progrès économique, ce pays-là répartit mieux
les fruits de la croissance économique pour pouvoir permettre à la population de satisfaire ses besoins fondamentaux. Pour Marx, le progrès entraîne un changement de mode de production. Donc, le progrès fait passer la société d'un état communaliste primitif à une société d'esclavage, de l'esclavage au féodalisme, du féodalisme au capitalisme et du capitalisme au socialisme. Et l'état ultime de progression sociale, c'est le communisme. Donc, le communisme, pour Marx, est l'étape ultime de progrès. Si on analyse bien ces théories, notamment du point de vue de la sociologie, du point de vue de l'économie, voir donc le progrès est jusqu'à présent la société en devenir. Donc, se résume à ça, se résume à la société en devenir. Donc, c'est quelque part quelque chose qui est utopique. On est en marche, les sociétés évoluent, mais aucune société n'a encore atteint la perfection sociale, ce niveau ultime, cette étape ultime de perfection sociale. Donc, c'est toujours une société en devenir. Donc, le progrès est compris comme véritablement cette marche vers la société en devenir. Cependant, c'est à partir du 19e et au début du 20e siècle que la perception dominante de l'Europe consistait à penser que c'est l'Europe, en réalité, la société européenne qui se trouvait au sommet de l'échelle de cette évolution. Donc, c'est la société en devenir. Mais si on considère les différentes évolutions, les différentes civilisations, c'est la société européenne qui est au sommet de l'échelle de cette d'évolution sociale. Donc, entre le 19e et le 20e siècle, le concept de progrès est passé donc d'une situation résultant de l'histoire à une situation que l'on peut provoquer par une politique d'intervention public, notamment par une planification. Donc, on peut avoir comme référence une société, c'est-à-dire la société européenne, qui était considérée entre le 19e et le 20e siècle comme la société qui se trouvait au sommet de l'évolution sociale. Alors, donc, en se référant à cette société pensée comme être la société qui se trouve au sommet, on peut donc appliquer des politiques. On peut intervenir, utiliser des instruments politiques pour impulser le développement pour pouvoir atteindre ce niveau de perfection sociale et de progrès social. C'est ainsi que donc le progrès, considéré comme un fait historique jusque-là, maintenant le progrès est considéré comme quelque chose que l'on peut provoquer par la politique. Quelque chose que l'on peut provoquer par une intervention publique. Quelque chose également que l'on peut provoquer, que l'on peut atteindre à travers une planification. Et les fondements de cette pensée, c'est-à-dire l'exemple que l'on peut prendre pour asseoir cette idée, c'est la révolution industrielle. Quand l'Allemagne avait son projet d'industrialisation pour pouvoir rattraper la Grande-Bretagne. Donc, le processus d'industrialisation, le projet d'industrialisation de l'Allemagne, où le défi véritablement était de rattraper la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui était considérée donc comme la société, comme l'économie qui était au sommet de l'échelle. Donc, pour pouvoir rattraper cette économie, l'Allemagne avait mis en place un projet d'industrialisation. Et des auteurs comme Frédéric Lys avaient même recommandé la protection donc, de ces industries naissantes
et avait réfuté les idées qui étaient dominantes à cette époque, notamment les principes de libre-échange de Smith et de Ricardo, pour pouvoir véritablement protéger l'industrie naissante, afin donc de rattraper la Grande-Bretagne. Donc, le progrès, le développement qui est l'étape ultime, qui est une situation idéale, maintenant n'est plus le produit de l'histoire, mais peut être donc provoqué, peut être donc atteint par véritablement l'application d'une politique économique. Et nous en prenons comme exemple l'Allemagne avec son projet d'industrialisation pour véritablement rattraper la Grande-Bretagne. Si on se réfère également aux théories keynésiennes avec la régulation sociale du capitalisme, Keynes avait également préconisé l'application de politiques économiques pour pouvoir réguler le capitalisme, pour pouvoir également atteindre véritablement le progrès, pour pouvoir atteindre le développement, pour pouvoir lutter contre la pauvreté, pour pouvoir lutter contre le chômage, engendré bien évidemment par la Grande Dépression des années 29. Donc, Keynes avait formulé un ensemble de politiques économiques, une politique d'intervention, notamment la politique budgétaire et la politique monétaire, pour pouvoir réguler le capitalisme, notamment dans le contexte de la Grande Dépression des années de l'année 1929, des années de la, qu'on appelle la crise des années 30. Donc pour Keynes, il fallait une gestion de la demande, c'est-à-dire il faut une intervention publique, une intervention de l'État, notamment à travers ses instruments budgétaires et monétaires, pour pouvoir soutenir la demande afin donc d'impulser la croissance économique et de provoquer véritablement cette situation idéale qui est une bonne régulation du capitalisme et une bonne situation économique. Donc, avec la théorie keynésienne, évidemment, on comprend qu'aussi, avec les instruments de politique économique, on peut réguler la demande et impulser la croissance économique et atteindre le développement. Cette partie sera consacré au passage du progrès au développement. En d'autres termes, comment donc le concept de progrès donc a été remplacé par le concept de développement dans la science économique. Donc, du progrès au développement. Comme on avait vu, la notion de progrès est différente de la notion du développement, même si ces deux termes sont souvent assimilés. Le développement est un processus qui associe la croissance et la transformation structurelle. Le développement, comme François Perroux le définit, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent une population apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Et quand on dit produit réel global, on fait référence au PIB réel ou au PNB réel. Donc, le fait que le PNB ou le PIB réel augmente, c'est ça que l'on appelle la croissance. Et faudrait-il que cette croissance économique soit associée à une transformation structurelle? La transformation structurelle faisant référence à la modernisation de l'économie. C'est-à-dire que il y a une migration de ressources des secteurs moins productifs vers les secteurs plus productifs. Donc, c'est ainsi que donc, le secteur manufacturier ou le secteur industriel se développe plus que le secteur agricole. Les investissements augmentent relativement beaucoup plus dans le secteur moderne, dans le secteur traditionnel,
Les travailleurs également ont migré du secteur traditionnel vers le secteur moderne. Donc, ce qui va impliquer, bien évidemment, des changements dans la formation de ces travailleurs qui vont, donc, la main-d'œuvre aura besoin d'être mieux formée, mieux outillée. Il y aura également des changements en termes d'urbanisation, des changements également sur le plan sanitaire. Ce qui fait que donc, le développement est l'ensemble de ce processus-là. Donc, c'est un concept multidimensionnel. Il y a un changement sur le plan sanitaire, un changement des mutations positives sur le plan de l'éducation, des mutations positives sur le plan institutionnel. Donc, l'ensemble de ces mutations, donc, soutient la croissance économique. Donc, cette notion de développement repose sur de multiples fondements. Et on avait rappelé tout à l'heure que la notion de développement apparaît pour la première fois, suivant le contenu que nous lui donnons, dans le discours du président Truman lorsqu'il plaidait en faveur des pays sous-développés. Donc, il y a des pays qui sont sous-développés et qui avaient besoin de l'aide des pays pour pouvoir avoir un monde beaucoup plus homogène en économique. Donc, il y a des fondements, des motivations. Qu'est-ce qui a motivé le fait que cette notion puisse, après la Seconde Guerre mondiale, occuper les débats dans la science économique? Donc, cette notion repose sur de multiples fondements, de multiples motivations. L'une de ces motivations résulte des préoccupations de l'Amérique latine concernant l'échec du développement. Il faut rappeler que l'Amérique latine, les pays d'Amérique latine, avaient obtenu leur indépendance depuis plus de 50 années, mais peinaient à se développer contrairement aux pays d'Amérique du Nord. Donc, cette partie de l'Amérique, cette partie de l'Amérique latine, peinaient à se développer, malgré que ce sont des pays qui avaient obtenu l'indépendance. Donc, il fallait comprendre pourquoi ces pays ne peuvent pas se développer. Quelle explication pouvons-nous donner à l'échec de développement de ces pays, contrairement aux pays d'Amérique du Nord? Et on trouve principalement deux explications. La première explication s'appuie sur l'esprit anthropologique occidental qui pense que c'est une question de mentalité de développement. Il y a une différence psychologique, une différence comportementale entre les peuples, les populations des pays sous-développés et les populations des pays développés. Donc, les populations, suivant cette explication, les populations des pays sous-développés sont psychologiquement inférieures aux populations des pays développés. Donc, c'est une question d'aptitude, une question d'attitude et une question de mentalité. Et ces explications-là étaient basées sur des récits coloniaux. Donc, ces récits supposaient que l'Amérique latine n'avait pas donc réussi à se développer, donc en raison de la mentalité primitive de ces populations. L'autre explication, beaucoup plus rationnelle, est l'explication fournie par Raoul Babich. Qui suppose que le sous-développement
des pays d'Amérique latine est expliqué par leur mauvaise insertion dans le commerce international. Il y a une domination des pays développés sur des pays en voie de développement comme les pays d'Amérique latine. En effet, les pays d'Amérique latine exportaient des produits de base et importaient en retour des produits manufacturiers. Vous savez que donc les produits manufacturiers ont beaucoup plus de valeur, ont beaucoup plus de valeur par rapport aux produits de base, comme les produits agricoles, les produits bruts, les phosphates. Donc, ce sont des produits qui sont moins valorisés sur le plan international que les produits qui ont subi une transformation. Donc, si les pays sous-développés, en particulier les pays d'Amérique latine, exportent seulement des produits de base, moins valorisés au niveau international, et importent en retour des produits manufacturiers mieux valorisés, c'est-à-dire plus chers, ils vont subir ce qu'on appelle une détérioration de leurs termes d'échange. Donc, par conséquent, vont avoir des déficits chroniques de leur balance des paiements, et ce qui va leur conduire à s'endetter, à toujours s'endetter pour pouvoir combler le gap d'épargne intérieure dans leur pays. Donc, j'ai pensé à Raoul Prebisch que la situation des pays d'Amérique latine, pourquoi ces pays-là peinent à se développer, ce n'est pas une question de mentalité, mais c'est plutôt du fait de leur mauvaise insertion dans le commerce international. L'autre motivation, l'autre fondement de cette notion de développement est la leçon à tirer de l'économie planifiée soviétique. L'économie soviétique a montré l'exemple, a montré que le développement est possible, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une situation de sous-développement et avec la planification arriver à une meilleure situation, c'est-à-dire arriver à industrialiser. Donc, il y a un grand bond en avant de l'Union soviétique avec son plan d'industrialisation. L'autre motivation, c'est également la nécessité de sortir les pays nouvellement indépendants, comme les pays d'Afrique, à combler les retards accusés par rapport aux pays qui les ont colonisés. Parce que ces pays nouvellement indépendants, c'était des pays qui avaient de graves déficits sanitaires, déficit sur le plan de l'éducation, déficit également technologique. Donc, il faut intervenir, il faut appliquer des politiques publiques pour pouvoir combler ce retard. Donc, le soubassement théorique de cette vision est la théorie de Rostow. Rostow qui considère que le développement est linéaire, c'est un processus qui est linéaire, il faut passer par des étapes. Et passer par l'étape de la société traditionnelle pour arriver à la dernière étape considérée comme la société de consommation de masse. Et pour pouvoir accélérer le processus, on peut intervenir. C'est-à-dire que l'État peut intervenir pour combler le retard afin de permettre à ces pays-là d'arriver à l'étape de consommation de masse qui était la situation des pays qui les ont colonisés. Cependant, il existe une pluralité d'interprétations des concepts de développement. Donc, le développement n'est pas interprété de la même façon dans la science. Il existe plusieurs idées, plusieurs interprétations et plusieurs utilisations également. Par exemple, en 1984, Briggs
a distingué 72 utilisations différentes de cette notion, dont les plus dominantes concernent le domaine des études pratiques de développement. C'est ainsi que donc, on a pu identifier l'utilisation de ce concept de développement en tant que croissance économique et modernisation. Donc, lorsque le développement n'est considéré qu'un phénomène quantitatif, parce que la croissance peut être mesurée, tantôt mesurée par les indicateurs, par les agrégats, le PIB ou le PNB. Donc, lorsqu'on a une forte croissance économique, on se développe. Donc, ça, c'est une compréhension du développement. Alors, il faut accepter que cette compréhension est très réductrice. Donc, c'est parce que le développement est beaucoup plus large que cela. Comme on l'a dit tantôt, le développement, c'est évidemment une forte croissance, mais c'est une croissance accompagnée de mutations positives sur le plan social, démographique, sanitaire et sur le plan de l'éducation. L'autre utilisation du concept, donc, c'est le développement considéré comme étant la fin de la dépendance. Quand on est sous-développé, on est dépendant. À une dépendance financière, donc, pour pouvoir faire des investissements sur le plan interne à l'intérieur du pays, il va falloir donc solliciter l'épargne extérieure parce que l'épargne intérieure est faible, on est financièrement dépendant. Le sous-développement est aussi caractérisé, d'après cette vision, d'après cette conception du développement, caractérisé également par une dépendance commerciale. Donc, pour nourrir les populations autochtones, il va falloir également importer. Si on n'importe pas les biens alimentaires, on peut avoir des difficultés sur le plan interne, notamment en termes de consommation de produits alimentaires, en termes de consommation locale. Il y a également une dépendance technologique. Quand on regarde également les pays sous-développés, on voit qu'ils sont technologiquement dépendants. La technologie de production vient de l'extérieur. Nous importons des véhicules, nous importons des tracteurs, nous importons des machines pour pouvoir cultiver, etc., etc. Donc, il y a une dépendance technologique des pays sous-développés. Et donc, le développement est l'absence de dépendance. Donc, si ces pays-là sont sortis de leur situation de dépendance, ils peuvent être considérés comme des pays développés parce que le sous-développement est caractérisé par là. L'autre vision considère que le développement est une situation que l'on peut assimiler au bien-être, à l'augmentation du bien-être et au développement humain. Cela fait référence à la théorie d'Amartya Sen, le développement par les capacités, n'est-ce pas, en tant que renforcement des capacités et axé également sur les personnes. Et le développement, la finalité, c'est le développement. Donc, il faut améliorer les capacités des individus, ce qu'on appelle les capacités. Donc, on améliore les capacités par les capacités des individus par l'éducation, par, n'est-ce pas, leur doter une meilleure santé, n'est-ce pas, par une meilleure formation, pour leur permettre eux-mêmes de créer de la richesse qui va leur permettre de sortir de leur situation de développement. La finalité du développement, suivant cette conception, c'est la finalité humaine, c'est-à-dire le centre, c'est l'humain. On met l'accent sur l'humain. Comment développer les capacités de l'humain pour qu'il puisse lui-même s'extirper de sa situation de pauvreté? Il y a également une autre conception du développement. Le développement en tant que développement durable. Développement durable, donc lorsque l'on fait référence aux générations futures, ce concept-là est apparu dans le rapport de Rutland en 1987, le développement durable. Donc, où on peut chercher le développement avec une croissance économique, mais pas n'importe quelle croissance économique. Il va falloir donc créer de la richesse
Mais une création de la richesse, une création qui respecte les équilibres environnementaux, les équilibres écologiques, qui n'entraîne pas également un épuisement des ressources naturelles pour pouvoir permettre aux générations futures de profiter également de ces ressources, de profiter de la nature et de profiter également des ressources naturelles. Donc, le développement durable, qui est donc considéré comme un développement qui permet, suivant la définition du rapport de Brundtland, qui permet donc la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Donc, il faut une conservation de la nature. Il faut donc, n'est-ce pas, une exploitation intelligente des ressources naturelles. Donc, il ne faut pas épuiser les ressources naturelles pour pouvoir chercher la croissance économique et le développement. Donc, il faut véritablement penser aux générations. Il y a également une conception du développement qui est assimilée à la sécurité. Donc, le développement est synonyme de sécurité. Sécurité, sécurité économique, n'est-ce pas? Voilà. Sur le plan juridictionnel, etc., etc. Donc, sécurité également pris au sens large. Le développement va permettre donc, aux populations d'avoir beaucoup plus de sécurité. Le développement également en tant qu'autonomie culturelle et territoriale, le développement aussi en tant que mono-économie, n'est-ce pas? C'est-à-dire retour à la micro-économie, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire un développement endogène, un développement véritablement qui est centré sur les pays, donc qui réduit véritablement la dépendance. Donc, un développement qui compte sur les ressources internes des pays. Et cette conception du développement est théorisée par le consensus de Washington et le co-consensus de Washington. Développement est également considéré comme conformité à la mondialisation parce qu'on est dans un monde, dans un village planétaire, dans un monde de plus en plus ouvert. On est absence de disons, le libre-échange des pays donnés, donc suppression des barrières tarifaires, des barrières non tarifaires. Donc, il faut se conformer aux réalités de la mondialisation. C'est-à-dire, il faut être compétitif pour pouvoir participer à la mondialisation. Donc, le développement va donc permettre aux pays d'être compétitifs pour pouvoir apporter quelque chose à la mondialisation et ne pas être dominé. Il y a également des perspectives anti-développement et post-développement. Donc, la vision du développement au début du XXIe siècle a connu d'autres approches, d'autres compréhensions. Donc, il existe deux approches dominantes de la notion de développement. Donc, en effet, la perspective du développement international qui domine sur les politiques et les réflexions des acteurs bilatéraux et multilatéraux. Cette perspective, telle que définie par les acteurs en tant que donateurs, a renoncé à la recherche de la transformation structurelle de l'économie dans les années 1980. Notamment en ce qui concerne l'industrialisation. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement? Ce changement s'explique par les attaques néolibérales contre la politique industrielle. Dans ce cadre, le développement signifie désormais que l'accent doit être mis sur la lutte contre la pauvreté extrême. Donc, ce développement, selon cette vision internationale, le développement international donc, doit reposer sur le principe moral de l'aide aux étrangers, de l'aide aux pays. Cette vision est complétée par la vision
de la conférence de Bandung. Donc, cette vision du développement international crée un contraste avec les aspirations des pays en développement eux-mêmes, à savoir une approche du développement fondée sur ce que l'on appelle souvent l'esprit de Bandung. Donc, l'esprit de Bandung fait référence à la raison pour laquelle la conférence de solidarité Asie-Afrique de 1955 s'est tenue à Bandung, en Indonésie, du 18 au 28 avril 1955. L'initiative de la conférence de Bandung constitue le fondement de la coopération sud-sud et de diverses initiatives telles que l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques. Donc, cette vision s'articule autour des points suivants. Il faut concevoir une vision qui consiste à vouloir sortir de l'humiliation de la domination extérieure, donc avoir une vision qui sort des pays sous-développés de la domination extérieure. Donc, il faut mettre l'accent sur la coopération sud-sud. L'autre point, c'est avoir une croissance accompagnée d'une transformation structurelle de l'économie et de la société, notamment en mettant l'accent sur l'industrie manufacturière. Donc, l'industrie manufacturière étant l'industrie qui permet une transformation des produits de base. Donc, pour ne pas exporter les produits de base, il faut donc les transformer au niveau interne en ayant une industrie manufacturière développée. C'est cela qui va permettre à ces pays-là de s'extirper de la dépendance commerciale. Donc, une croissance qui sera accompagnée d'une transformation structurelle, une croissance accompagnée ou bien portée, soutenue par la capacité manufacturière, par l'industrie manufacturière. Le développement dans le cadre également de la construction des projets nationaux souverains. Donc, le développement doit être pensé par les décideurs nationaux, doit être planifié par les décideurs nationaux à travers des projets nationaux souverains. Parce que ce sont les pays sous-développés qui sont plus à même à pouvoir comprendre leur situation, à pouvoir même apporter des solutions qui vont les sortir de cette situation de sous-développement. Donc, il faut des plans nationaux. Toujours, ce sont c'est la vision de la conférence de Bandung. Donc, les objectifs, les points autour desquels cette vision s'est articulée. Donc, parmi ces points, il faut véritablement qu'il y ait des plans nationaux qui sont souverains, n'est-ce pas, qui doivent être définis par les nationaux eux-mêmes pour pouvoir apporter des solutions à leur situation de sous-développement. Entre autres points de cette conférence de Bandung, c'était également de tirer les leçons des pionniers du développement sans faire preuve de mimétisme. Et l'amélioration constante, évidemment, du bien-être des populations. Les nouvelles conditions initiales de la planification du développement se distingue des deux premières décennies de l'indépendance de l'Afrique, au cours desquelles la fin du colonialisme a constitué la première condition, la condition initiale. Donc, au cours, juste après les indépendances, c'est la fin du colonialisme qui était la condition initiale de la planification du développement en Afrique. Les décennies perdues, les années 80 et 90, ont servi, juste après la fin
après ces premières conditions relatives à la fin du colonialisme, les décennies perdues, c'est-à-dire de 80 à 90, vont servir de nouvelles conditions initiales à la planification. Les diapositives qui vont suivre vont nous montrer ces décennies perdues, cette décennie perdue, c'est-à-dire les caractéristiques de cette décennie perdue. La première condition se rapporte à la crise des termes de l'échange à laquelle sont confrontés la plupart des pays africains engagés dans le commerce international. Donc, ce graphique nous montre une évolution des termes de l'échange de 1970 à 1998. Donc, les termes de l'échange évoluent de façon erratique. À partir de 1974, il y a une baisse de ces termes de l'échange. À partir de 1978, une augmentation. Une tendance haussière de ces termes de l'échange. Donc, de 1978 jusqu'à 1982, les termes de l'échange étaient se situaient au-delà de la barre de 100. Au-delà de 100, donc il y a une amélioration des termes de l'échange. En deçà de cette barre, il y a une détérioration des termes de l'échange. Une amélioration des termes de l'échange signifie que la valeur des exportations est plus importante que la valeur des importations. C'est-à-dire que donc les exportations, leur valeur relative par rapport aux importations est positive. Et lorsqu'il y a détérioration des termes d'échange, cela signifie que les biens que les pays africains importent sont mieux valorisés au niveau international que les biens qu'ils exportent. Donc, ici, on voit qu'il y a une forte détérioration des termes d'échange à partir des années 80. Donc, plus précisément, à partir de 1980. 84-85, donc il y a une forte baisse des termes de l'échange. Donc ce qui fait que le commerce international dans ces conditions-là n'est pas profitable aux pays africains. Il y a une détérioration des termes de l'échange, cela entraîne une crise de la balance des paiements, une crise endettement. Donc, l'épargne intérieure faible. Donc, cette faiblesse de l'épargne intérieure ne permet pas au pays de mobiliser assez de ressources pour pouvoir financer son développement. Donc, une baisse des termes de l'échange entraîne des difficultés économiques, bien sur la balance des paiements et sur la mobilisation. Donc, c'est ce que ce tableau nous montre. Donc, la problématique de la mobilisation des ressources d'ailleurs pour pouvoir financer les investissements. Donc, logiquement, avec cette baisse importante des termes de l'échange, l'épargne intérieure devient faible. Donc, c'est pour ça qu'ici, lorsque vous comparez le saving et l'investment, vous voyez que donc l'investissement dans toutes les périodes en Afrique subsaharienne se situe au-delà de l'épargne publique et privée. Donc le saving ici, c'est l'épargne nationale,
Donc, c'est aussi bien l'épargne publique et l'épargne en pourcentage du pays. Par exemple, entre 75 et 79, l'investissement se situait à 23,1% du PIB, alors que l'épargne mobilisée se situe à 19,3% du PIB. Donc, il y a un gap, il y a une différence. Et cette différence, forcément, est financée par l'épargne extérieure. Ça, c'est une des conséquences de la détérioration des termes de l'échange. L'épargne intérieure est faible, l'épargne publique est faible, même que l'épargne privée. Donc, il faut recourir à l'épargne internationale extérieure pour pouvoir financer le gap d'investissement. Donc, c'est ce que nous montre ce tableau. La deuxième ligne de ce tableau montre la même réalité, mais ici, c'est Nigeria est exclu de l'Afrique subsaharienne. Et la troisième ligne, on exclut également l'Afrique du Sud. Mais toujours est-il que ce qui est constant, c'est que dans toutes les périodes, le besoin d'investissement sont supérieurs à l'épargne nationale mobilisée. Ce qui fait que donc, il y a forcément un endettement de nos États. Ce graphique nous montre également toujours les conditions, c'est-à-dire les caractéristiques de la décennie perdue, qui constitue les nouvelles conditions de la planification. C'est une courbe qui nous montre comment le PIB par habitant a évolué entre 1960 et 2014. En effet, à partir des années 60, à partir de 1960, le PIB par habitant se situait à 700 dollars constants et est allé jusqu'à 990 dollars à partir de 1974, mais a commencé à baisser à partir de cette. Donc, le revenu par habitant a connu une augmentation entre 1960 et 1974. Les deux décennies suivantes ont été cependant marquées par un effondrement du revenu par habitant. Donc, il aura fallu attendre 2011 pour que le revenu par habitant soit égal à ce qu'il était en 1974. Donc, trois décennies après. Conjointement, ce diapo montre la faible mobilisation des ressources intérieures. Donc, l'évolution de l'épargne intérieure. Donc on voit également que l'épargne intérieure évolue de façon erratique, n'est-ce pas? Et avec une tendance baissière à partir de 1978 jusqu'à 1980, pour se situer entre 15 et 20% du PIB. Contrairement aux pays d'Asie de l'Est et Pacifique, on observe une évolution positive de l'épargne intérieure en pourcentage. On voit que donc, pour les pays d'Asie de l'Est et Pacifique, la tendance est haussière. On voit une augmentation de l'épargne intérieure brute en pourcentage du pays. Qui a atteint, à partir de 2007, les 45%, alors qu'ici en Afrique, on est entre 15 et 20% du pays, avec toujours une tendance haussière. Hmm.
Ces diapositives montrent également le faible taux d'exportation des pays africains, n'est-ce pas? Et la maigre part de l'Afrique dans le commerce mondial. Donc ici, ce diapo, on voit que le volume des exportations mondiales croît plus vite que la création de richesses, c'est-à-dire le GDP réel, c'est-à-dire le PIB réel. Donc, réel GDP, c'est le PIB réel. Bien le PIB en volume, le PIB à prix constant. Donc, on voit qu'ici, la croissance du commerce mondial dépasse de loin la production. Donc, ce qui montre que la libéralisation constitue un moyen de faire face à la suraccumulation. Donc, il y a une croissance beaucoup plus forte du commerce mondial par rapport à la croissance de la richesse créée. Cependant, si on compare l'Afrique par rapport à cette tendance mondiale, on voit que l'Afrique, la part relative de l'Afrique subsaharienne dans la croissance demeure insignifiante, dans la croissance du commerce mondial demeure insignifiante. Donc, c'est un problème de participation au commerce international. Donc, c'est une nouvelle condition de la planification. La façon dont l'Afrique participe au commerce international ne facilite pas son développement. Donc, si on observe une croissance exponentielle du commerce mondial, on voit que l'Afrique s'appare diminue de plus en plus. Donc, il y a lieu donc de questionner la manière, la façon dont l'Afrique participe au commerce international. Donc, ce qui offre également, ce qui caractérise également la décennie. Ce graphique montre la répartition régionale des exportations manufacturières mondiales. Donc, la façon dont l'Afrique participe au commerce international est illustrée par ce graphique. Ici, on observe. Si on compare l'Afrique et les autres régions du monde, on observe que donc, les exportations manufacturières africaines sont très, très faibles. Lorsque la Chine, en 2013, ses exportations de produits manufacturiers se situent à plus de 17%, en Afrique, on est à moins de 0,5%. Donc, l'Afrique est la région du monde où les exportations manufacturières sont plus faibles. Donc, cela illustre en fait la façon dont l'Afrique participe au commerce international. Donc, l'Afrique participe au commerce international en privilégiant ses produits de base au détriment de ses produits manufacturiers. Donc, si on regarde en effet le panier des exportations des pays africains, donc on voit que donc, ce panier est peu diversifié. Donc il y a beaucoup plus de produits de base que de produits manufacturés. La COVID-19 vient ajouter à cette condition d'autres réalités. En effet, la COVID-19 a rappeler les préoccupations liées à cette décennie perdue dont nous avons décrit les caractéristiques et à l'inadaptation des économies africaines depuis les années 1980. Même si, en termes de mortalité, l'impact de la COVID-19 a été faible en Afrique, cependant, la pandémie a permis donc de mettre en évidence les faiblesses du développement que nous avons hérité de la décennie perdue dont les caractéristiques viennent étaler. Donc, quelles sont les faiblesses que la COVID-19 a mises en évidence
dans le continent africain. La COVID-19 nous a rappelé que l'Afrique est caractérisée par une vulnérabilité des moyens de subsistance dans une économie fortement informelle. La COVID-19 a rappelé également la faiblesse de la capacité de production, notamment liée au faible équipement de haute technologie de notre économie. Il a également rappelé, du moins, les déficits généraux en matière d'équipement de santé publique. Donc, plusieurs années de faible investissement nous ont conduit à un plateau médical faible. Donc, avec la COVID-19, véritablement, il y a eu un déficit général en matière d'équipement. La COVID-19 également a montré l'insuffisance dans le domaine de la science et de l'innovation en Afrique. Et également la dépendance vis-à-vis de l'étranger par rapport aux importations et aux exportations, surtout aux importations du pays. Donc, en résumé, la COVID-19 a rappelé les faiblesses sont les caractéristiques des économies africaines et ces faiblesses ont été héritées de la décennie perdue, notamment la décennie 90. Donc, il est important de se servir de ces conditions initiales pour pouvoir définir un plan de développement, pour pouvoir donc planifier le développement. C'est ce qui nous amène à voir les principes et l'économie politique de la planification du développement. La planification du développement en Afrique doit également tenir compte des plans qui ont été appliqués et leurs objectifs. Donc, faire une sorte d'évaluation de ce qui a été déjà fait depuis les années 60. Donc, dans le cadre de la réflexion sur les questions relatives à la planification du développement, il est important donc de souligner plusieurs points saillants qui ont été à l'ordre du jour en 1979, c'est-à-dire depuis la mise en place du plan de Lagos. Avant tout, il convient d'envisager la planification du développement national dans le contexte des plans de développement régionaux. Donc, le plan doit, dans le cadre d'un plan régional, atténuer les effets négatifs des petits États et des petits marchés. Donc, il faut dépasser la logique des petits États et des petits marchés. Parce qu'avec ces petits États et des petits marchés, on ne peut pas planifier efficacement le développement. Il faut également que le plan puisse mettre l'accent aussi sur la mutualisation des ressources de développement en matière d'infrastructures. Faire face aussi aux effets de remous et renforcer l'effet multiplicateur dans le développement régional. Le plan de développement en Afrique doit aussi internaliser les moteurs de croissance, lutter contre la volatilité des termes d'échange commerciaux. Donc, un plan bien défini en Afrique doit pouvoir donc être endogène, utiliser les ressources intérieures, les valoriser pour pouvoir lutter efficacement contre la volatilité des termes d'échange. Et cela passera notamment par une transformation des produits de base. Parce que si les produits de base sont exportés en Afrique, donc, le marché international étant volatile, le marché international c'est très volatile,
Donc, si on les exporte en l'état brut, l'Afrique ne sera pas épargnée d'un choc. Donc, l'Afrique ne sera pas épargnée lorsque véritablement il y aura une baisse de la valeur de ses produits. Donc, si les produits, par contre, sont transformés, donc cela aiderait à mieux les valoriser au niveau international et lutter efficacement contre la volatilité des intermédiaires. Le plan doit également pouvoir renforcer les liens intersectoriels. Donc, une des réalités des économies africaines, c'est que les secteurs ne sont pas interconnectés. Donc, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire n'ont pas de lien fort. Il faut renforcer ces liens intersectoriels et inclure des aspects sociaux et économiques de la planification. Mettre aussi l'accent sur les résultats du développement en termes de bien-être et d'atténuer le coût du bien-être. La planification du développement dépend de la mise en place d'un programme visionnaire pour également que le plan puisse réussir. Il faut que le plan dépende d'une vision de long terme. L'importance de la planification du développement en tant qu'effort de mobilisation nationale visant l'inclusion et l'appropriation de la planification. Il faut également un vaste travail de consultation dans le cadre du processus de planification. Et une planification constitue donc aussi un projet politique qu'un effort technique. Donc, le plan doit être soutenu par une vision de long terme. Donc, l'aspect technique en lui-même revêt un caractère très politique, car il exige de pouvoir choisir entre des techniques et des options concurrentes. Pour que le plan également soit efficace, il doit être coordonné par une commission nationale de planification dotée de l'autorité nécessaire. L'efficacité du plan de développement repose également sur une meilleure coordination. C'est-à-dire, il faut que le plan soit coordonné par une commission nationale de planification. Et c'est cette coordination par cette commission qui va permettre véritablement au plan de transcender les mandats politiques. Sinon, on serait amené à chaque fois remettre en cause un plan, introduire un nouveau plan au gré des changements de régime politique. Éviter cela, le plan doit s'inscrire dans le long terme et être piloté par une commission nationale de planification qui va transcender les régimes politiques, c'est-à-dire donc être doté d'une autorité nécessaire. Une bonne planification exige également un processus méthodique déterminant de manière claire les étapes à suivre pour parvenir à des solutions optimales. On va être clair, limpide. Donc, on doit décrire et bien décrire les étapes à atteindre pour pouvoir atteindre l'étape ultime qui est le développement. Donc, ce processus doit refléter les principes suivants. Il doit être exhaustif. C'est-à-dire, toutes les options et tous les impacts éventuels importants doivent être pris en compte. Le plan doit être efficace dans la mesure où le processus de planification ne doit pas comporter des risques de perte de temps ou de perte de ressources. Le plan doit aussi être inclusif. C'est-à-dire que toutes les personnes concernés par ce plan doivent être impliqués. Il doit être informatif dans le sens où les parties prenantes ont une bonne compréhension des résultats et ont une bonne compréhension de l'étape où se trouve le plan et les différentes étapes à suivre pour arriver au résultat optimal. Il doit être aussi intégré, les décisions prises
individuellement à court terme, ils doivent soutenir également les objectifs stratégiques de long terme. Le plan doit aussi être logique. En d'autres termes, chaque étape doit conduire à l'étape suivante. Et enfin, il doit être transparent dans la mesure où toutes les personnes concernées comprennent le fonctionnement du processus. Un cadre de planification permet de déterminer la suite de base du processus de planification. Donc, un plan qui est défini doit donc comprendre les éléments suivants. Les principes, c'est-à-dire la règle ou concept de base permettant la prise de décision. La vision, c'est-à-dire la description générale du résultat souhaité du processus de planification. La problématique, c'est-à-dire la condition indésirable du plan qui doit être jugulé, atténué ou résolutionné. Donc, il faut une problématique, c'est-à-dire le plan doit arriver dans un contexte et ce contexte doit être bien décrit. C'est une condition, la condition initiale du plan, la condition que le plan doit améliorer. Le plan doit aussi comprendre le but ou les buts, c'est-à-dire la condition générale que l'on souhaite atteindre. Généralement, doit être quantifié, c'est-à-dire doit avoir un objectif, le plan. L'objectif doit être quantifié, n'est-ce pas, comme une augmentation de la richesse, ou bien une amélioration de l'état de santé des populations, ou bien comme une amélioration de l'équité ou la liberté. En tout cas, le plan doit avoir un objectif général qui va être quantifiable. Et également des objectifs spécifiques qui sont susceptibles aussi d'être quantifiés pour atteindre l'objectif général. Le plan doit aussi pouvoir identifier de façon claire la cible. La cible, c'est important, n'est-ce pas, de pouvoir définir cela dans le plan pour qu'il soit efficace. Et également définir quelques indicateurs de performance pour pouvoir évaluer, suivant chaque étape, l'efficacité. Le plan étant un ensemble d'actions également, il peut s'agir d'un plan stratégique, général, large, ou bien un plan d'action, peut être spécifique et étroit. Donc, il faut des options. C'est-à-dire les moyens envisageables pour atteindre un objectif ou trouver une solution à un problème. Il faut également des politiques pour pouvoir accompagner le plan. Donc, un plan d'action mis en œuvre par une administration ou une organisation. Et aussi un ensemble de programmes spécifiques avec des objectifs spécifiques, des responsabilités et des tâches au sein de chaque organisation. Des tâches ou actions et un champ d'application. Il faut également des critères d'évaluation, c'est-à-dire les impacts du plan, les coûts et les bénéfices qui doivent être pris en compte dans l'analyse. Donc, il faut des critères d'évaluation et des méthodes d'évaluation, c'est-à-dire le processus d'évaluation et de comparaison des options, telles que l'analyse du rapport coût-efficacité, des avantages, du coût, bien du coût, etc. Donc, nous sommes arrivés au point de discussion. Donc, les points de discussion seront partagés dans la plateforme. Des questions sont posées. Donc, ensemble, on va discuter de ces questions-là. Par exemple, pourquoi faut-il planifier? Qui sont les agents de développement? Quel sera le rôle du service public dans la planification, etc., etc. Donc, ce sont des points de discussion qui vont nous permettre de préciser beaucoup plus de choses, qui vont nous permettre de préciser, n'est-ce pas, les différents éléments du cours. Donc, on va les traiter ensemble dans la plateforme et j'attendrai qu'il y ait une interaction entre donc,
vous les participants et moi l'auditeur. Merci.